Étienne, saxophoniste. Émilien, bassiste. Florian, saxophoniste et pianiste. Hugo, chanteur. Quentin, guitariste. Guillaume, batteur. Yann, clarinettiste et pianiste. Bah nous, on a créé notre groupe en 2011. Donc à la base, on était 5. Donc il y avait Yann, Guillaume, Florian, Hugo et moi. Et depuis cette année, ben, on a Émilien et Quentin qui sont venus. Un bassiste et un guitariste en plus. Bah au départ donc nous on faisait tous de la musique à l'école de musique. Donc puis on se connaissait tous, enfin on était tous des potes. Donc on a eu envie de former un groupe quoi, pour passer de bons moments aussi ensemble, bons moments musicaux et amicaux. En fait, on se tapait des gros bœufs, quoi. C'était de l'improvisation pendant presque un quart d'heure, des fois. Et puis, petit à petit, on a trouvé des mélodies pour essayer de nous structurer des chansons plus précises, et ça a fini par faire des vraies compositions, quoi. Hein, truc de dingue. Alors, nos influences musicales pour les compos, c'était plus du rock, reggae, donc dans un style qui fait penser à du ska. Et nos influences musicales sont plus tournées vers du Manu Chao, Sinse Mia, Agnieszka, mais Patrick Sébastien et Rémi Trouillon nous ont bien aidés quand même. Pour les répètes cette année, on est dans le local de l'Espace Jeune et on se voit deux fois par semaine. Au début on savait pas trop, puis après on a vu quand on pouvait se voir tous ensemble. Donc le mercredi et le jeudi maintenant. Et puis ça rend bien. Donc ouais, bah une anecdote par rapport à nos concerts qu'on a pu faire. Un concert en particulier, la fête de la musique à Saint-Jean-de-Maurienne 2012. On n'a pas eu de chance parce que la pluie, elle est arrivée pile au moment où on était sur scène. Notre premier concert, la pression, l'organisation un peu hâtive, c'était un peu compliqué. Sur le coup, personnellement, moi qui suis chanteur, quand je suis devant et que je vois tout le monde qui se retire sans comprendre ce qui se passe, ça fait un peu bizarre. Et puis après, on a essayé de faire avec. Donc maintenant, on refait un peu des concerts. On a un peu plus l'habitude vu qu'on en a fait plusieurs. Et voilà, maintenant... On va voir ce que ça donne à l'avenir. Donc maintenant on a 4 dates de concert prévues. On a le 16 mars à Saint-Jean-de-Maurienne pour le carnaval. On va jouer après le 6 avril à Aix-les-Bains pour un concert avec d'autres groupes de jeunes. Ensuite on va jouer le 28 mai pour la fête du lycée. Et enfin on va essayer de jouer pour la fête de la musique le 21 juin à Saint-Jean-de-Maurienne.